Vous avez pris des forces pour la rentrée? Yes. Jessine, t'as bien déjeuné? Ouais. Une rentrée un peu particulière pour cette maman d'élèves de l'école des Tamaris. Ses trois enfants reprennent les cours dans trois lieux différents. Le rituel du matin est donc millimétré. C'est compliqué, mais comme je suis véhiculée, je m'estime heureuse comparée à d'autres parents qui ont leurs enfants dans trois écoles différentes aussi et qui sont à pied. Donc j'essaie de positiver comme ça. Il faut se dire que c'est que 6 semaines. L'heure du départ approche, il est temps. Vous avez pris votre goûter? Oui, tu as pris? Allez, c'est bon. Lilia dépose donc ses trois enfants les uns après les autres. Mohamed Jessim, le plus jeune, reste dans son école maternelle, mitoyenne du bâtiment qui a brûlé. Et moi À ce soir. C'est ensuite au tour de Rayana, 10 ans, déposée à l'école des Oliviers. Ici, ce sont 6 des 14 classes des Tamaris qui sont hébergées. Pour la répartition, la ville et le rectorat ont privilégié la classe entière. Les enfants restent avec leurs camarades et leurs professeurs, un élément incontournable pour qu'ils puissent conserver leurs repères. Hier, c'était le 11 novembre, c'était férié. Même il y aurait eu l'école des Tamaris encore là, on ne serait pas allé à l'école quand même. Il y a encore beaucoup de choses à aménager, évidemment, beaucoup de travail à refaire, à préparer, mais l'essentiel pour nous, c'était qu'ils puissent être accueillis ici avec nous, avec les copains, et qu'ils se sentent qu'ils reprennent le mieux possible. Du côté de la logistique, la générosité a tourné à plein. Une cagnotte en ligne a été lancée et l'école a reçu beaucoup de dons. Mais il manque encore des fournitures. Des porte-vues, des rames de papier, parce qu'en fait on recommence une rentrée et on a besoin de tout recommencer à zéro. Donc il faut des rames de papier à 4, des rames de papier à 3. 12 jours après le drame, c'est donc un début de retour à la normale pour les 229 élèves de l'école des Tamaris.